reborn. Chaos reborn. Ha! Oh, sérieux? Bon, je la ferai ça comme dans le bois aujourd'hui. Ha! Ce que l'on voit ici, vraiment, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Ça nous montre que vraiment le monde a évolué, ouais. Nous avons évolué. Tellement nous avons évolué, nous marions 2-2 maintenant. 3-3. C'est une affaire de polygamie. Waouh! Madame le maire a dû annuler leur mariage. Juste parce que les deux ne sont pas entendus. Affaire de polygamie. Elle pose la question au mari, est-ce que tu es prêt pour la polygamie? Ou pas? Il dit, oh madame, moi je suis prêt aujourd'hui et prêt demain pour la polygamie. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, on a ta réponse. Et toi madame, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, de quoi parlez-vous? Tu n'as pas bien compris. S'il vous plaît, viens me poser la question. Et ah, elle n'a pas compris. Ok, comme c'est toi qui as l'honneur, elle répond à la question. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Le maire va dire, est-ce que tu es prêt pour que ton mari épouse plusieurs femmes? Est-ce que tu es prêt pour la polygamie? Est-ce que tu es prêt pour la polygamie? On va dire... C'est pas réponse, hein? Elle n'était pas prête. Ça m'a dit, tu dis quoi, t'as pas prête? Comment est-ce que tu n'es pas prête? Quand on faisait tantôt, t'as dit, t'es prête, non? Maintenant, si on est devant le même, tu n'es plus prête. Comment ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ce que nous renvoie ici. Et pendant que les deux sont déparés là-bas, là, les invités avaient faim. Ils ont fait, ils allaient manger. Ils disent, ah, fais vite, nous, on va aller manger. Hein. Nous, on a la dalle ici, là. Il y a la dalle au pays. Oh! À un moment donné, les deux ne se sont pas entendus. Ça a donné un résultat que nous renvoie ici. Alors, voici, studio. Prenez votre tête et asseyez-vous à terre. Parce que ça, c'est pas pour les enfants. Regardez bien. Oh, est-ce que vous voulez bien trouver? Regardez. Affaire de polygamie. Ah, je dis la polygamie. Vous voyez, non? La polygamie, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on se marie avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Et voici le couple. Le couple parfait. Apparemment, il y a plusieurs enfants. Après plusieurs années, le monsieur a dit, ok, je vais me souvenir de toi. Il me dit, tu es tout posé aujourd'hui. Tu vois, les gens sont honorés. Mais n'oublie pas que j'ai une tisa. N'oublie pas que j'ai une quoi à côté. Elle aussi, elle me plaît bien. Donc, je vais aussi l'opposer. Donc, il faut accepter ici la polygamie, on va gagner du temps. La femme a fait de votre monde ici. Elle réfléchit jusqu'à elle dit non, c'est pas possible, elle ne peut pas accepter ça. Comme elle dit qu'elle ne peut pas accepter. Le maire a dit annuler le mariage. Nous avons regardé bien ce qui s'est passé. Hein. Une, deux, trois. Il dit qu'il veut une communauté de biens sous un régime polygamique. Et qu'est-ce que la femme a dit? Est-ce que vous voyez? Regardez la femme. Regardez la femme. Le maire a donné sa réponse. Hein. Et une communauté de biens sous un régime polygamique. Lui, elle regarde à gauche et à droite. Si elle n'est pas prête à partager son homme avec une autre femme, elle regarde à gauche et à droite. Non, c'est pas possible. C'est vrai, tu vas me donner ton argent, mais à faire des polygamies, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le maire qui pose la question. Regardez la femme là qu'elle a là, madame le maire. Et elle tend le micro vers le monsieur. Repose. Donne ta réponse au connu, bien entendu. Si on n'a pas bien compris, lui dit polygamie. Point. Et vous, mademoiselle, elle dit monogamie. Point. Vous voyez pourquoi je dis comme ma femme comme ça. Vous avez vu ça, madame le maire est dans la conférence. Elle dit, mais ah, vous avez vu ça. Vous avez vu pourquoi il vous dit qu'il y a un problème depuis là. Non? Elle pose la question au public, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez entendu? Les Marocains sont venus pour manger la moyenne, c'est moi ce que vous avez entendu.
Elle nous a entendu. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que je savais que ça va finir comme ça. Waouh. Maman, quand vous dites monogamie, c'est pas toi qui te maries, ce sont eux. Laisse-les choisir. Ouh. Même la maman, hein, à la fille là. Elle dit, madame le maire, s'il vous plaît, attendez, levez mon doigt, attendez, levez mon doigt. Moi, c'est monogamie. Non. Ouais, c'est polygamie, voilà, c'est polygamie. Que, j'y accepte pour ma fille, j'y accepte pour elle. C'est polygamie. La madame le maire dit, ah, c'est toi qui t'es marié. C'est ta fille ou bien c'est toi? Non, c'est pas possible. Laisse-la, elle m'a donné sa réponse ici, parce que c'est elle qui sera dans le mariage. C'est elle qui va vivre la souffrance de ça. Hey! Hey! Les gens veulent se marier, les gens veulent se marier. Maintenant, il y a un problème de mariage. Je sais que ça se voit, oui. On n'a pas envie de marier. Quoi? Sérieux? C'est chaud, hein. À la place de cette fille, que auriez-vous fait? Laissez en commentaire. Je vous attends, hein. Écrivez quelque chose. Auriez-vous accepté la polygamie ou pas? Allons voir. Alors lui dit polygamie, elle dit monogamie. Vous annoncez que le mariage est annulé. Et vous, mademoiselle? Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'on ne m'apprend pas mon chat. Est-ce que vous avez compris? Parce que je savais que ça va finir comme ça. Maman, quand vous dites monogamie, c'est pas toi qui te maries, c'est son teu. Laisse-les choisir. Alors lui dit polygamie, elle dit monogamie. Vous annoncez que le mariage est annulé. Je vous annonce que le mariage est annulé. Le concert. Les gens qui sont venus pour manger. Quand on dit le mariage est annulé, le mariage dit Seigneur, pourquoi? Et nous? Et le chop? Et le dagabano? On va manger bientôt, on va manger. Si le mariage est annulé, c'est qu'on mange plus. Non, c'est pas possible. Pardonnez, trouvez une solution aussi. Écoutez-le. Il dit pour la chope, nous on fait comment? Il dit pour la chope, d'ici là, nous on fait comment? Regardez, ça crée un cafouillage. Regardez le cafouillage, cafouillage à la fin du mariage. Regardez où se marier alors qu'ils ne sont pas encore prêts. C'est parce que vous avez 50 ans avant que vous êtes prêt pour le mariage. Hein? Hey, Seigneur. Ah, sur les informations que j'ai reçues, on a dit qu'après, une solution a été trouvée. Et quelle a été la solution? On a dit la solution a été d'appeler la tisa du monsieur Jean-Jean, là, sa petite go à côté. Elle était quelque part là-bas. On a dit qu'il l'a appelée. Et il a dit, écoute, ma chérie, est-ce que tu es prête à te marier là maintenant, tout de suite. Elle s'est dit, oui. Elle dit, il dit, ok, tu n'as pas besoin de robe de mariage, viens directement ici, je vais t'épouser. Voici comment, sans douter la fille, il a épousé officiellement devant tout le monde. Et la femme qu'il a douté, avec qui même il a eu des enfants, qui semblait être la tutelle, elle est passée au deuxième plan. Tiens. Quelle histoire. Je vais tomber dessus. Pardon, ça va vous en même temps. Ils sont tard. Quand on dit les premiers secondes de tennis, c'est vrai quand même. Hein? La fille, elle est là dehors. Elle chope ton mari seulement, matin, midi et soir. Toi, tu es à la maison, tu es dans même des enfants. Tu penses qu'elle va t'épouser. Elle vit là-bas, tu vois les gens. Tu cherches d'avis parce que tu ne veux pas accepter une deuxième femme. Et voici comment ça tourne. Et ton mari épouse sa chisa. Sa petite Godéa. Ah! Moi aussi, ce que je comprends, c'est pourquoi la petite Godéa a accepté ça. Comment est-ce qu'elle peut accepter ça? Comment c'est possible?
Toi, ta soeur, dans les problèmes, toi, ça. Le monde est quand même bizarre. Hein. Vous n'avez pas remarqué. Regardez sur le terrain de football. Quand les gens jouent au football, là, à la fin du match, un doit pleurer et puis l'autre doit rire. Le monde n'est pas bien. Le monde n'est pas bien. Qui? Maintenant, dites-moi, les frères et sœurs, est-ce que vous serez prêts à accepter ça, la polygamie? Déjà, je vais poser une question, mais surtout aux hommes. Mon frère, dis-moi, est-ce que toi, tu seras prêt pour partager ta petite go? Enfin, ta femme que tu aimes bien, que tu aimes bien, avec un autre gars. Genre, ta femme dit, oh, elle est pour la polygamie. Genre, elle a un deuxième copain. Et toi, tu dois accepter le fait qu'elle a un deuxième copain. Et vous deux, vous allez vivre dans la même maison. C'est-à-dire, elle est seule. Parmi vous deux. Aujourd'hui, c'est toi qui la manges. Demain, c'est lui qui la mange. À un moment donné, elle m'a dit, vraiment, je vous aime bien les deux, mais je pense que vous, tous les deux, vous ne me suffisez plus. Donc, je vais amener un autre camarade qui sera mon troisième mari, mon troisième époux. Mais vous avez dit, ah, est-ce que vous avez dit, on va accepter, oui, on accepte, je suis accepté, on accepte. Et alors, vous serez maintenant trois dans la maison là. On dit, c'est toi. Demain, c'est l'autre. Le mercredi, hein, c'est le nouveau. Hey! C'est quoi ton nom? On dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Est-ce que le monsieur là, ici, est en blanc comme dans mon village là? Est-ce que le monsieur là, il serait prêt maintenant pour que la femme puisse avoir un deuxième gars? Ou un deuxième mari? Pas, c'est même pas fait de gars même. Deuxième mari! Deuxième mari! D'abord, on nous dit, oh, l'homme qui traîne sous sa mère, c'est déjà sa femme. Vous dites, non, ça, c'est pas assez. Comme nous, on aime ce qu'il y a beaucoup là. On va augmenter, on va faire notre propre volonté. Et, Seigneur, maintenant qui a péché parmi les deux? La femme a dit, non, elle n'est pas prête à accepter cela. Le monsieur dit que lui, il est prêt à accepter cela. C'est vraiment triste. À cause de ça crée la confusion. La confusion là-bas. Même madame le maire dit, ah, vous avez vu, les deux ne sont pas tombés d'accord. Donc, moi, je ne peux pas bénir leur union. Donc, le mariage est annulé. Quoi, sérieux? Madame le maire! Madame le maire, nous on a fait. Oh, nous, on a fait. Madame le maire, pardon, pardon. Donc, les gens qui viennent sur des mariages, dans nos mariages, là, donc, les gens, ils viennent pour le chop, hein, pour le dagaba. Ils viennent pour la nourriture, pour manger la nourriture. Hein? Bon. De toute façon, chacun cherche son pays là. Les gens marchent avec les gens par intérêt. Le plus important, c'était vous quand même, vous avez gâté le coin. Pourquoi le monsieur refuse la polygamie? Et plutôt, pourquoi il refuse la monogamie? Parce qu'il a des dingos dehors, il a l'intention d'épouser. Au moins, il a été clair. Mais tu as été clair, pourquoi est-ce que tu as dû se faire beaucoup d'enfants avec la femme et tu veux la partager avec une autre femme aussi? Mais pourquoi aussi la femme, elle a accepté dès le départ de donner le produit au gars jusqu'à même un fruit est sorti dedans et maintenant, elle ne veut plus accepter ce qu'il va dire, ce qu'il dit maintenant. En tout cas, mon mariage avec polygamie là, j'assais pas d'état. Ça, je vous dis, je vous le dis en même temps. Si vous êtes dans le mariage avec beaucoup de go, beaucoup de femmes, ça, c'est votre histoire. Moi-même, pour prendre une femme, je dis, est-ce que ça vaut la peine? À mes fois, ça beaucoup. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous sur Neo Science Ball. Soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve
toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.